recycle par le haut. Voilà, c'est ça, ça qui est intéressant. La définition, c'est ça. Donc, rogratier, en fait, c'est un vieux mot du Moyen-Âge. L'idée, c'était peau de lapin chiffon. Voilà, quelqu'un qui se pointait dans le marché et qui récupérait pour revendre la matière, en fait. Oui, donc nous, c'est un petit peu ce qu'on fait. Vous verrez qu'on travaille le bois, le métal, on travaille aussi le tissu un petit peu. L'objectif, c'est véritablement d'accélérer la transition de la France vers une économie qui soit plus respectueuse des ressources naturelles, des ressources de la planète. Nous mettons en ligne la troisième partie de la consultation sur la feuille de route de l'économie circulaire qui vise à mieux consommer. Et c'est pour ça qu'une des propositions sur laquelle nous travaillons activement et que nous soumettons à consultation serait un affichage de la durée de vie des produits, ou en tout cas à côté de ce qui existe déjà en matière, par exemple, d'économie d'énergie ou d'efficacité énergétique. L'idée, c'est d'avoir un indice qui pourrait permettre de donner une note aux produits et qui seraient des véritables indications. Parce que maintenant, les consommateurs, de façon logique, hein, ils vont aller vers le produit le moins cher. Alors qu'en réalité, s'ils avaient d'informations sur la durée de vie du produit, peut-être qu'ils seraient prêts à investir un peu plus, mais pour un produit qui durerait plus longtemps.